la violence des clans entre eux et le travail de l'organisation pacifiste Dar es Salaam. Que se passera-t-il si Kadhafi quitte le pouvoir? Qui sera le prochain? Pour tenter de répondre à cette question, le magazine britannique The Economist a publié un indice du lancer de chaussures, c'est-à-dire une liste des pays dans lesquels le peuple pourrait bientôt brandir ses chaussures au visage de son dictateur pour le faire tomber. Le Yémen est numéro un sur la liste. Le président Saleh essaye pourtant de résister autant que le colonel Kadhafi. Malgré des semaines de contestation, il veut aller jusqu'au bout de son mandat en 2013. Au cours des 33 dernières années, il s'est, tout comme Kadhafi d'ailleurs, maintenu au pouvoir en attisant des conflits tribaux. Notre prochain reportage a été tourné avant le soulèvement du peuple au Yémen. Il montre la violence des clans entre eux et le travail de l'organisation pacifiste Dar es Salaam qui tente de leur apprendre un autre langage que celui de la guerre. Reportage de Yann Le Gléo et Sébastien Mesquida. Souneima, une zone tribale au nord de Sanaa. C'est ici qu'il y a quelques mois, Abdou Abou Nasser a perdu son jeune fils de 10 ans, touché par une balle perdue sur le chemin de l'école. Mon fils passait par là quand il a été tué. J'ai retrouvé son corps là-bas, un peu plus bas. Juste là. C'était un conflit entre les tribus de Hali Alaima et Ali Asser. Elles se tiraient dessus. Mon fils était extérieur à tout cela. Il n'avait rien à voir dans cette histoire. Il n'avait jamais pris parti pour l'une ou l'autre des tribus. Il ne connaissait personne. Et la balle l'a touché juste ici, comme vous voyez sur la photo. La balle l'a frappé en pleine tête. Car Allah, c'était mon fils préféré. Je ne sais toujours pas qui l'a tué, et eux non plus ne me connaissent pas. Puis la tribu d'Abdou Abou Nasser a voulu réclamer vengeance, mais une organisation a pu éviter le pire. Tout de suite, l'organisation Dar es Salaam a parlé à mon clan. Et grâce à cette discussion, on a évité des représailles qui auraient fait beaucoup de morts. Sanaa, la capitale du Yémen. Dar es Salaam, littéralement la maison de la paix, a installé son quartier général ici, dans une petite rue du centre-ville. L'organisation lutte contre la violence entre tribus et contre cet esprit de vengeance qui gangrène la société yéménite. À sa tête, Abdulrahman al-Marwani, un ancien avocat qui a su gagner le respect des chefs tribaux un peu partout dans le pays. L'homme s'est imposé comme un médiateur indispensable. Il est soutenu par le gouvernement yéménite et par de nombreuses organisations internationales. Aujourd'hui, je vais essayer de réconcilier deux tribus, de les mettre d'accord. Mon objectif, c'est de les amener au dialogue pour éviter que le sang coule. Ils ont vraiment besoin d'une intervention extérieure. Le médiateur est attendu par plusieurs membres des deux tribus. Et le conflit, comme souvent au Yémen, porte sur la terre. Les deux clans se disputent la propriété de pâturage pour leur bétail. Bonjour à tous. On est venu pour vous mettre d'accord. Et je suis sûr que vous voulez trouver une solution à vos problèmes. Nous allons arriver à un accord qui respecte l'islam et nos traditions. Et vous allez vous réconcilier les uns les autres. On doit discuter librement pour qu'on puisse tous se comprendre sans dégainer les armes. Mais très vite, la discussion dégénère, aucun clan ne veut céder et ici, tout le monde est armé. Ce champ est à moi. Rien ici ne t'appartient. Mes terrasses sont là, tu vois bien, il y a un mur. C'est à moi, c'est tout, dégage. Ne t'approche pas de moi. Et toi, lâche-moi. Alors, elles sont à qui ces terres? À toi ou à moi? Mais non, enfin, mais ce champ, il est à moi. On est ici pour trouver une solution, pas pour que vous vous battiez. Voilà, mon terrain, c'est celui-là, là-bas. Je change pas d'avis, cette parcelle, c'est à moi. Bon, calme-toi maintenant. Maintenant, donnez-moi votre parole que vous n'allez pas vous faire la guerre. Tu as notre parole. Serrez-vous la main ou on ne part pas d'ici. Et au fil de la discussion, les deux tribus acceptent la médiation de Dar es Salaam. Allez, venez, rapprochez-vous. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non. Allez, tais-toi. Allez, embrassez-vous. C'est fini maintenant. À partir de maintenant, vous êtes comme des frères.
Au loin, dans les montagnes, comme une mise en garde, des tirs résonnent. D'autres tribus s'affrontent. Au Yémen, les armes sont en vente libre. Il y en aurait 60 millions en circulation dans le pays, soit presque 3 armes par habitant. Retour au siège de Dar es Salaam, à Sanaa. Ici, toutes les confessions sont représentées et dialoguent, et toutes récusent l'extrémisme religieux, l'autre grand combat d'Abdulrahman al-Marwani. Alors, aux côtés des membres de son organisation, il provoque ouvertement les terroristes d'Al-Qaïda. Chère Assemblée, nous sommes à nouveau réunis pour tenter de lutter contre l'extrémisme religieux dans la société yéménite. Aujourd'hui, avec le soutien des autorités locales et celui de la communauté internationale, je souhaite adresser un message à ceux qui sèment la violence. Je dis à Al-Qaïda, quittez le pays, ça suffit. Vous avez déjà fait trop de mal au Yémen, en Irak et ailleurs. Vous avez déjà tué trop d'innocents, des femmes et des enfants. Que Dieu protège les hommes de votre folie meurtrière. Dar es Salaam veut aussi s'adresser aux plus jeunes dès le début de leur éducation. L'école du 7 juillet jouxte l'ambassade américaine. Il y aura bientôt 3 ans que ce bâtiment a été visé par un attentat. L'attaque a laissé des séquelles sur les murs, mais aussi et surtout dans l'esprit des élèves. Au début, personne n'a été blessé. Mais après la deuxième et la troisième explosion, plusieurs élèves ont été touchés. Ils ont cru que j'étais morte, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Plusieurs jours après, j'avais encore peur à cause du choc. Chaque fois que j'entendais un bruit, je croyais que c'était une explosion. Moi, je comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Notre religion et notre société n'acceptent pas ça. Dans la région de Sanaa, Dar es Salaam s'est rendu dans plus de 500 établissements publics et privés pour expliquer l'extrémisme religieux. Après la récréation, dans l'une des salles de classe, c'est un imam qui s'adresse aux élèves. Notre sujet aujourd'hui, c'est le terrorisme. Mais de quoi on parle exactement? Le terrorisme, c'est s'éloigner de nos valeurs et de nos principes religieux. N'écoutez pas ceux qui se disent musulmans et qui ensuite vont semer la terreur. Ne leur parlez pas. Ce sont eux qui font exploser les écoles et tuent des innocents, des enfants, comme ils l'ont fait ici même, dans cette école. Notre organisation s'appelle la Maison de la Paix. Et paix, c'est aussi le nom de Dieu. Si vous voulez aller au paradis, le seul chemin, c'est la paix. Vivre en paix entre nous, les musulmans, en paix avec notre famille, notre histoire, et en paix avec notre monde. Outre la présence d'Al-Qaïda, le Yémen doit aussi composer avec son système tribal. Certaines tribus au nord comme au sud se sentent d'ailleurs de moins en moins représentées au sein de l'appareil politique national. Depuis le début des manifestations, plusieurs chefs tribaux, autrefois proches de l'actuel président, refusent aujourd'hui de le suivre dans son obstination à conserver le pouvoir. Dans le cimetière de Sunaïma, Abdou Abou Nasser vient se recueillir sur la tombe de son fils. C'est la tombe de Kher Allah, mon fils, le martyr. Il apprenait les sciences et les religions. Il voulait avoir une bourse pour partir en France, aux États-Unis ou en Chine. Il voulait voyager. Mais le destin en a décidé autrement. Abdou Abou Nasser se bat aujourd'hui pour favoriser le dialogue, notamment lors de missions de réconciliation entre tribus ennemies. Les mains levées au ciel, il brandit les photos de son fils, comme pour éloigner le spectre de nouvelles violences au Yémen. Still a long way off. Awesome.
One man, Sheikh Abdurrahman Al-Marwani, has made it his mission to bring peace to his troubled nation. He is uniquely placed to bring hostile factions together because as a young man, he himself was attracted to the path of violence. Mike Healy's film, The Peacemaker, follows the Sheikh as he prepares to put himself in the firing line between warring tribes. It's risky work. 15 negotiators from his organization, Dar al-Salam, meaning... تحاول منظمة دار السلام التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من مشايخ القبائل اليمنية يتجاوز 3000 أن تنفذ حلولا تتفق مع الواقع اليمني الخاضع لهيمنة القبيلة أكثر من أي شيء آخر. مراسل الجزيرة مراد هاشم يرصد تنامي ظاهرة اختطاف الأجانب. من هنا بدأت رحلة وفد منظمة دار السلام في مسعى لإطلاق سراح الهولنديين المختطفين في بني ربيع. في اليمن هناك أكثر من 27. Celebration in Yemen isn't complete without a gun. هم تفرق أيدي المدنيين. لذلك نحن في منظمة السلام نسعى جاهدين للرب. Intervene to stop execution through creating effective and successful means. أطلب قضية القاح بالإعدام وكان موعد الإعدام 25/12/2012. 12 نهاية شهر 12 إحنا يعدموني والحمد لله حصلنا. مسجون منذ 12 عاما في المملكة العربية السعودية والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل قدمت منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف وبمبلغ 118 ألف دولار كمساهمة في دفع دية القتيل. ما بين أبوه بين الجنة إلا كرامة الله عنه. Al-Marwani has helped the teenager out of his village and into university in the capital. But even here, the new student fears that he'll be killed by his village's enemies. He needs to keep his identity hidden. يقومون الأبناء كامل يقومون بعد الأبناء بعد الأبناء يقومون بعد الآباء متحمسون للمشاكل. Conflict resolution. Peacemaker with Azel channel we contain the issue of Twitch Joseph Habib who was killed lunged. Local television channels cover some minority issues and the Somali community. It contained Peacemaker. Resolving issues of conflict with the Somali community and promote the rights of minorities and their involvement in various programs of the organization. وسوالنا صلح هاي منظمة دار السلام قضية قتل تضاربوا وحصل فيها مقتول دخلت معنا منظمة دار السلام في الموضوع الشيخ عبد الرحمن المروني. For the first time in the Middle East, involving some of the sons of the Jewish community. Since 2008, Peacemaker implemented awareness campaigns
and programs under the title All Religions Call for Peace, and also work to involve the children of the Jewish community. In the snapshot, Sam Habib Sam's with Muslim students deals with aspects of faith and tolerance in the Torah. Peacemaker addressed through local television channels the ways, means, stages, difficulties and challenges related to the message of peace and tolerance, which began in the framework of the one religion, then the idea of love and include tolerance for different religions and Islam. ناشر عضو في منظمة دار السلام الرحمن المروني يتواصل معنا بالتلفون أي حاجة لكم أي شيء كل الطائفة اليهودية وكل الضعفاء والمساكين منظمة دار السلام هي تحب الأديان جميعا القرآن الكريم والتوراة والإنجيل كل الطوائف هذه كل الناس يشتوا يعيشوا بأمن واستقرار وسلام كما عاشوا أباءنا وأجدادنا من زمان. As well as the plays, Al-Marwani also holds workshops for tribal leaders and clerics. أيها الخطباء بمنعطف جديد ودور فعال لكم ولصناع السلام في هذا اليوم نقف نشطاء السلام أمام فرصة تاريخية للتعاون والتآزر وعون المشترك. النبوية هذه الظاهرة طبعا لها أسبابها الاقتصادية. تكون 2010 فعلا لتوجد دولة حديثة تتعود أخلاق الشوارع والشوارع Baik is just one man, and Al-Qaeda appears to be growing in strength in this religiously conservative country, long considered a haven for radicals, from Saudi Arabia to the Horn of Africa. The government has also been cracking down on violent activists, but despite this, attacks are on the increase, and in 2008, the American embassy was attacked by suicide bombers linked to Al-Qaeda. One man who says he was involved with Al-Qaeda was preparing a trip to Iraq for jihad when Sheikh Al-Marwani convinced him otherwise. والله هو لعب دور كبير الصراحة يعني كان له زرع فيني شجرة يعني